Pourquoi tu dis c'est tout un monde? Ben c'est parce que ça joue avec la gear. Ben, c'est beau avoir de la puissance, mais plus que tu as de la gear dans ton différentiel, plus que ton moteur vire vite et que tu n'avances pas, que tu te trouves à te donner de la puissance. C'est pareil comme un tracteur. La logique d'un tracteur à gazon ou ben d'un tracteur agricole, il a 60 forces, mais il tire 20 tonnes. C'est là. C'est un peu le même principe. Les cœurs s'est bourré, puis t'as un bon transfert case, là, t'sais, là, tout va avec, là, t'as pas le choix. Là. Là, parce que tu peux faire peut-être 5 rounds, puis la 6e, ben, tu chies tout ça à terre. Ben, c'est pas plus long que ça. Là. Mais qu'est-ce qui fait, d'après toi, un bon truck, là, pour la, un bon pick-up pour la tire? C'est le budget. C'est pas dur, hein? Tant que t'as, plus t'as de l'argent à mettre dedans, plus que tu vas être sécuritaire, puis que tu vas être performant. Là. Parce que si tu fais pas ça, là, ça, là, des affaires de broche à foin, là. Ça t'offre pas longtemps. Là. T'sais, là, tu casses pas trop longtemps. Mais comme lui, son torque a brisé, t'sais, ses affaires de même. Ça arrive. Hein. Là, ça reste que c'est de la pièce mécanique. La volonté humaine est là, mais c'est toujours un. Tu guesses, t'as pas le choix. Là. Ça va peut-être marcher ce coup-ci, puis le prochain coup. Ben. Ouais. Mais c'est quoi, t'es-tu assez bon pour me décrire un peu c'est quoi les composantes là, que ça leur prend eux autres, là, dans leur moteur puis dans leur machine comme telle? Ouais, ben c'est tout le même principe. Ça te prend un moteur que le plus gros pousse-cube, autrement dit le plus gros cylindre de série possible. Puis ça te prend un taux de compression assez bon avec un bon cam. Ça te prend un intake, ça te prend un carburateur, ça te prend des headers, ça te prend une bonne transmission avec un stall, ça te prend un différentiel barré avec de la gear, t'sais. Tout va avec. Tu peux pas arriver juste dire, on va mettre un gros montage, ça va marcher. Là. Tu peux pas juste faire ça. Puis là, ben, faut que tu stabilises tes différentiels pour pas qu'ils reculent, pour pas qu'ils grouillent. Tu veux en avoir un vrai véhicule, là, un vrai, là. Celui qui est deux pipes, là, chromé. Là. Tu coûtes au-dessus de 40 quelques mille, lui, là. Tu le vois tirer, là, tu vas comprendre. T'sais, va faire le tour, là, les 10 breaks, le 10 breaks pour breaker le truck est sur le drain shaft. Tu n'as pas de problème, là. 502 pouces cubes là-dedans, ravancé, garder ton maximum de poids en avant. Tout, tu peux tout faire, tu sais, là, tant que t'as de l'argent. C'est ça l'histoire. C'est toujours Charbrouillette, puis là on est rendu 24. On est sur le site à l'aréna, là. Fait que c'est toujours moi, j'étais un gars de bicycle. De pick-up, pardon. Bye! Qui est parti cette année pour réglementer toutes les choses, pour que tout le monde tire. Ça va être clair.
directement. C'est pas mal ça. Aujourd'hui, c'est pour le genre de caméra en freestyle. Là, t'organises ça? Oui. On va faire l'association. On est 5 gars dans l'association. On va faire sa route. Ça continue jusqu'à quelle heure, là? D'après moi, on est en cours pour avoir une compétence. Merci. Go. On y va avec au volant d'un Dakota sur un Chevrolet des années 74 sur un Mazda directement de Packetville, de Bury, Distingus, Yves Inkel, Dominique Lafont, Richard Boulin, notre prochain participant. Alors on a une tire de 190, 168 pieds, 192 pieds, 2 pieds de plus que notre premier participant. On demandera aux petits enfants qui sont sur les caisses de son et qui envoient de l'eau sur mes fils de ne pas le faire s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, on a fait un peu comme au bord de la station de service, parfois, maintenant, pour le pompier.